Jeudi 5 septembre 2024, messieurs, dames, amis, frères, accès, compatriotes, moyo, gros bonjour, bonsoir, et pour nous tous, dans mes quoi, c'est toujours Tifono. Et amis, nous, merci Dieu, c'est toujours avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes, Guillaume Poulot, toute équipe là, à la ronde, badet, nous comptons rencontrer, nous pouvons le faire, et transmission journal, méga maté, méga, c'est Pigo Réseau Radio, haïtien, et sous la tête béni, avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. WTP Radio Mega Go Radio 1, l'IFE 5. Depuis Studio Pétionville. Invité à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans sud Floride là, dans États-Unis. Jeudi 5 septembre 2024, bonjour, bonsoir pour notre hôte, bienvenue dans la quatrième parette, journal Méga Matin, toute équipe en compte à rentrer la caillou pour porter pour information qui abdomine l'actualité. Son Ulysse, mise en nom de la micro-présentation, moi-même Jean-Wilner Sévère avec Daniel Daniel. Bonjour, bonsoir tout le monde, toute équipe là très content, ça m'a fait court matin pour porter pour journal Méga Matin. Les quelques principales informations à porter pour non journal là, c'est jeudi 5 septembre là, secrétaire d'État américain Tony Blinken a privé dans le pays en l'Afghan pour le chita parler avec président conseil présidentiel là avec premier ministre Gary Conley. Le visite à rentrer là, il a gué marché pressé dans le coacteur qui formait conseil là. Il y aura contact avec CARICOM et d'État d'accord pour changer Smith Augustin. Moïse Jean-Charles lui-même était solide avec Emmanuel Ventiler. États-Unis a réfléchi pour transformer mission multinationale en mission la paix ONU, une façon pour surtout résoudre problème financement mission. Résolution qui créait force multinationale à bout de 2 octobre qui a fini là. Conseil de sécurité a été déjà quitté en fenêtre côté et capable de changer phase à mission après évaluation. Politologue Pierre-Antoine lui reconnaît force là fait face avec un pile difficulté pour joindre l'argent. Mercredi, sa force là médaille qui est engagée dans l'opération pour récupérer zone gang occupée, recevoir nouveau matériel. Exemple, Premier ministre Gary Conley qui était présent pour réception, le matériel ça y était pour maintenant occasion ça pour renforcer capacité FADH. L'autre dossier n'a pas parlé ensemble avec un journal Méga Matin, jeudi à Gaïa, sous-secrétaire d'État américain, Brian Nichols, l'immense autorité au nouveau enquête pressé pour joindre toute vérité sur le dossier Gagote, l'agent corruption, le rapport ULCC. Nous pas complices, quoi, rapport ça, c'est un bon pas, une bonne direction. Ricardo Fleury demande arrestation, complicio, et puis exiger plus moyen, mais capeta pour ULCC, t'as fait plus grave. Il y a un mouvement, olé, la jeunesse dit, on saisit des quantités gagotes à l'argent de l'État à travers le rapport ULCC. Jean-Pierre McEnlove exige arrestation, tout le monde qui est impliqué dans le dossier, si là, yo. Formule l'avancement des gouvernements transition, ce qui est quoi, pour aller plus vite, docteur Marise Nassis qui dépalait dans occasion, rappeler sécurité, c'est plus gros préoccupation à population. Ces points saillants à divers les autres qui peuvent faire essentiel le journal la matin, mais pas bilé, pour une première, pour une capable à traverser. Même exercice là dans le journal Méga Matin, jeudi, on connaît avec qui tu es capable de changer de l'américain. Après, pour côté pour une capsule à sentir rétroché. Nous avons information en détail, amis auditeurs, en attendant nous aller dans la réadministration. Biden a envisagé transformer mission multinationale dans une mission Nations Unies. Selon Miami Herald, une source proche à dossier a confirmé l'intention ça. Alors que force multinationale a pu se passer 2 mois après déploiement, il y a des difficultés pour le capable, ben, résultat escompté. Le journal a rapporté, département d'État américain face à quel problème financement et puis équipement a exploré.
explorer possibilité pour convertir soutien dirigé par Kenya dans une opération médecine d'appel traditionnel Nations Unies. Le responsable Conseil Sécurité Nationale, Maison Blanche, a confirmé by Miami Herald, plan Yoli à l'étude pour capable modifier Nature Force là. En coordination avec partenaires Yo, États-Unis a exploré option pour capable renforcer mission multinationale soutien à la sécurité et puis assurer soutien pour les Haïtiens capable durable et puis à long terme. Pendant qu'il y a travail, il y a ouvert voie à la condition sécurité favorable pour capable gagner élection libre et puis équitable. Administration Biden a estimé force multinationale là coûter environ 200 millions de dollars pour 6 mois opération. En plus, sa chaîne CNN a rapporté semaine passée premier policier kenyan qui vit en Haïti, yo pote ko recevoir salaire yo ça qui suscité une frustration notamment la question ouverture à classe à Poutimoun. N'a pas venir avec n'a pris toujours été dans dossier ça résolution qui créait force là bout d'octobre cap vini là conseil sécurité a déjà quitté en fenêtre côté au cas changer phase mission hein. Après évaluation yo gagné là politologue Pierre Antoine lui il reconnaît force là fait face avec difficulté pour joindre l'argent ça capable résoudre ces missions hein, transformer en mission la paix. Nous venons rapidement avec dossier ça, dans le cadre visite Anthony Blinken dans le pays. Il y a là un pile voix qui continue à lever sous question. Visite ça, qui s'allie pour le porter pour le pays. Quelle décision qui prend par rapport avec force, avec question scandale, là, force multinationale là, dans le pays. On finit rapidement avec question ça avant même d'aller et rapidement dans question visite Anthony Blinken dans le pays. Là. Donc, j'en dis à nous aller avec politologue Pierre Antoine, lui-même qui reconnaît ben, force là, puis fait face avec difficulté pour joindre l'argent, mais ben, ça capable de résoudre ses missions, transformer en mission à la paix. On écoute. Résolution 26-92 là, qui crée la mission multinationale d'appui à la sécurité date de 2 octobre. Ça veut dire, dans 28 jours, mandat. Mission a fini. Conseil de sécurité a été dit dans paragraphe 19, résolution 26-99 là. Il dit, prie le secrétaire général de lui présenter à l'occasion des rapports qu'il lui fera régulièrement et au plus tard 9 mois après l'adoption de la présente résolution des recommandations concernant une éventuelle adaptation du mandat de la mission ou, si nécessaire, sa transformation. Donc, conseil a été anticipé que l'abgayen pour lui retourner sous et configuration mission. Hein. Est-ce que mission t'a atteint effectif l'été supposé gagner hein? Est-ce que l'accompli mission hein? Maintenant, il est évident que mission n'a pas accompli, il est évident que même effectif là pas atteint, qui fait que mission n'est pas complètement déployée. Donc, il est évident que gros problème pour mission fonctionner. Et un problème qui gagne, c'est problème financier. Et raison fait que problème financier, c'est parce que, comme son mission multinationale, les contributions sont volontaires, ça veut dire chaque pays cabaye selon qu'elle capable. Par contre, une mission de maintien de la paix de l'ONU, son mission de l'ONU, qui est gérée administrativement et financièrement par l'ONU, donc l'ONU, obligatoirement, les pays membres de l'ONU doivent contribuer au financement de la mission. Si mission est transformée en une mission de maintien de la paix, problème financier à résoudre. Et puis, en plus, on va remarquer, garder sur le terrain, on va voir la situation empirée en Haïti, formule de mission multinationale là, pas à la hauteur des défis. Donc, il est évident que conditions réunies pour conseiller la revisiter situation, hein, pour garder formule mission et multinationale là, et dans quelle mesure il est capable d'adapter une nouvelle configuration d'une mission à la situation qui prévaut actuellement en Haïti, et dans tête PAM, selon l'expertise, les conditions sont réunies pour que, et il transforme une mission en une mission de maintien de la paix. Maintenant, il y a des obstacles. Obstacles au niveau politique en Haïti.
C'est Haïti qui demande des missions, hein, et j'en ai configuré une mission multinationale parce que pas de l'estomac en Haïti pour mission de maintien de la paix, parce que il y a des gens qui maintenu que le ministère de la choléra, patati patata, ainsi de suite. On va donner des vrais nationalistes, des proto-nationalistes, des faux nationalistes qui parlent d'eau, bon, mais la guerre y a un homme blanc, et puis en même temps, il n'y a pas qu'à expliquer que le problème de sécurité a empiré, les forces de sécurité haïtiennes, pour des raisons multiples, arriver à bout de terrorisme qui existe actuellement en Haïti, qui fait peuple haïtien pas capable de vivre. En plus, ou bien du côté international, ou bien la Chine et la Russie, qui étaient abstenus, leur résolution 2419 la prend pour mettre en place et la mission multinationale d'appui à la sécurité. Ils ont même tout, ils vont répéter même parole pour qu'on t'aide en Haïti, pas les missions de maintien de la paix, après le répéter. Donc ce n'est pas gagné d'avance, ce sont des bagages qui sont difficiles. D'abord, il faut qu'Haïti mande ça. Et puis les États-Unis avec poids politique, comme c'est les États-Unis avec l'Équateur, mais principalement les États-Unis qui mènent le dossier à les Nations Unies. Voilà, c'est mes auditeurs. On nous poursuit avec information dans un journal après au fin côté réaction sous intention autorité américaine yo pour ta changer force multinationale là comme une mission de la paix Nations Unies. N'a venir avec question visite Anthony Blinken jeudi tu veux dire d'État américain, un GIM, comité organisation politique syndicale et populaire qui réagit sous sa directoire, comité organisation politique syndicale et populaire, il apprend même Jacques République, la nouvelle visite secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, jeudi, mais peut pas ici, pour qu'on gagne bon genre, précision, sous un véritable objectif, visite politique, si là, dans ce sens-là, peut pas ici, t'as dû poser quelques questions importantes qui t'a qu'à permettre, yon t'il mieux, blaï, pour aider nous comprendre, puis bien, qui ça qui t'a caché des visites, secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui calte tes pressions peuple haïtien t'a dû poser mais quelle question importante peuple haïtien hein? Même Jean Ak toute organisation dans divers secteurs qui bataille ensemble avec Massio pour aider Haïti rejoindre droit grand monde et puis permettre condition la vie masse peuple à changer yo tout t'a dû poser plusieurs questions fondamentales. Là, nous considérer responsabilité américaine en construction, situation bouleverse, peuple haïtien, à vivre côté gang armé, massacré, kidnappé, pillé, boulé, et puis mettre population dans l'agrabat, parce que américain pour qu'on suspende vos armes avec munitions by gang, yo. Là, nous considérer responsabilité américaine établi système exploitation qui gagne là, et puis régime PHTK américain, à kakolite imposé, peuple haïtien, depuis l'année 2011 et li soti journée aujourd'hui pour continuer imposer li encore là nous considérer nécessité pour tout haïtien haïtienne correct patriote porter contribution payo dans bataille pour construire l'état haïtien grand monde et puis chavirer système PC sous ça là nous considérer nécessité pour toute organisation progressiste à gourmer la tête collée pour empêcher américain renouveler régime PHTK et puis continuer avec ingérence là nous considérer résultat négatif à catastrophique plusieurs visites quelques officiels américain habité fait dans pays on pas qu'à empêcher nous poser question si là yo qui sont Anthony Blinken a venir régler vraiment à travers visite si là est-ce que Anthony Blinken Kenan pas paraître comme quoi dirait un chef cap débarqué dans une colonie pour ta vienne faire supervision dans colonie est-ce que c'est lors d'Anthony Blinken a venu by déjà ici ou directement ou bien il s'est discuté la vienne discuter avec eux pour plus bien comprendre situation crise américaine et défabriquée là après tout déblose américain fait dans pays nous est-ce que visite si la l'occasion pour Anthony Blinken venir avoir responsabilité américaine dans situation ma suffit Haïti trouver li là et puis prend engagement public pour mettre 6 points de vos armes avec munitions by gang pour les haïtiens capables de râler. Yon souffre pour finir combattre la main des haïtiens calégiens et puis continuer bataille pour rejoindre droit grand monde à pays d'Haïti, droit autodétermination. Pour authentification, Patrick Joseph, Jean-Paul Bastien, José Méridien. Gagnant, dirigeant yon dans le mouvement Fraternité pour Haïti, continuer, consulter, déplacer Tanyo, qui n'a ben, faculté linguistique, qui est dans le cadre d'activité clinique mobile, notamment depuis la semaine passée, hein, yon activité qui a continué dans l'autre site déplacer Tanyo, ben, côté Mounsayo, courir pour violence nègre.
tirer avec Kazam tout partout dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Là, un reportage avec Josué Bellamont. Activité clinique mobile. Dirigeant yon dans mouvement fraternité pour Haïti après poursuivre dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Jeudi mercredi 4 septembre 2024, là, yon fois encore, yon était dans la faculté linguistique. Yon camp qui héberge plusieurs dizaines de familles victimes de violences armées. Plusieurs centaines de monde qui t'a souffri avec diverses qualités maladies dans quand ça joint service d'après Doria Das, responsable santé dans organisation qui c'est en même temps médecin en chef activité ya kabay diverses raisons qui pousse yo prend initiative ça. Nous arriver couvrir tout le monde qui gagne problème santé, qui gagne problème dentaire, qui gagne problème infection, qui gagne problème antiparasitaire, qui gagne problème peau tout ça. Nous te prend initiative là c'est parce que nous ouais, pas que l'hôpital vraiment dans pays qui vraiment fonctionner dans moment parce que chaque côté bandi prend un hôpital est tout fermé parce que c'est seulement la peine quoi qu'a fonctionner là dans l'hôpital l'état. Nous t'a dit nous t'a arrivé aller dans moment. Après ça c'est l'hôpital privé qui gagne. Nous t'est obligé nous même conscient toucher nous te dit la faire en façon nous même pour nous capable river pour nous capable river dans site pour nous capable bailler monde ça yo anti la soigner parmi monde qui river consulter yo gagne qui gagne nécessité prise en charge par rapport à complication maladie yo présenté. Christina Odette Boutis, responsable communication organisation en sens ça mandé intervention l'état haïtien là nous venons là nous joindre de monde qui gagne de situation qui grave gagne nous doit retourner pour nous de suivi ensemble avec yo gagne tout n'a pas dans quelle mesure nous ca assister pour ça n'a besoin de aide bon côté l'état et c'est parce que monde qui dans situation difficile qui cas de maladie qui grave donc t'a besoin d'une assistance beaucoup plus élevée que nous pas cabaille là dans quelques heures de temps n'a bien pour nous passer nous je baio de médicaments activité clinique mobile là pas campé. Organisateur yo prévoit toucher l'autre site qui héberge victimes insécurité yo yon après l'autre Doria Das à Christina Odette Boutis. Nous passé lycée Marie-Jeanne, nous passé ministère de communication et nous gain pour nous descendre, nous gain pour aller lycée de jeunes filles, nous gain pour aller lycée Pétionville, nous gain pour nous aller Virginie sans peur. Tout côté qui gain site yo, c'est là nous même nous compter river pour nous cabaille, faut mais à ça qui pas capable joindre la soigne yo. Nous gain pour nous passer dans l'autre centre et sous peu n'a publié de calendrier qui dit qui côté n'a pied à chaque une semaine parce que nous t'a doué dans l'extérieur, nous t'a doué passer dans l'autre centre, dans l'autre studio. Donc n'a pas invité tout partenaire, toute organisation, toute association qui sont concernés à continuer faire travail là. Bénéficiaire yo pas de joindre mot pour remercier responsable dans mouvement fraternité pour Haïti qui permettent yo arriver consulter adjoint médicament gratis. Moi c'est un bénéficiaire, moi nous satisfait et me dit bon Dieu merci parce que moi j'ai une douleur et parfois douleur aller comme fatigué. Je dis à moi venir que mon médicament, on pas payer pour service ça. C'est un service gratuit et c'est là moi l'argent pour gagner mal l'hôpital, premièrement consulter, faire examen, faire pile bagaille, pas gagner moi l'argent pour le moment et puis bon Dieu fait grâce et côté nous joindre possibilité pour capable consulter et joindre médicament gratuit. Je dis bon Dieu merci pour ça. Son beau service lié de nous soucis blanchis, tout côté pile mon absolue, nous côté calte maladie, nous bien satisfaits de service. Et médicaments, je pense que y a côté sous nous, la améliorer nous soucis là. Nous pas payer rien, nous pas payer consultation, nous pas payer médicaments. Tout bagaille net, c'est gratuit. Mission mouvement fraternité pour Haïti, c'est aider les monde qui n'ont difficulté yo. Dirigeant yon organisation si la souhaite joindre si pour l'autre instance dans l'idée pour yon capable arriver à atteindre objectif yo. Josué Bellamont, Radio Mega. Merci à pile Josué Bellamont pour reportage si la guerre mouvement populaire ou la jeunesse qui s'allie différentes opérations la police a mené dans pays en compte gang ressenti politique des populations civiles déplacées pour yo pas victimes. Jean-Pierre Makenov encourager la police là agir avec force contre gang yo qui s'allie l'image pays appauvri population côté Jean-Pierre Makenov. Mouvement populaire ou la jeunesse a profité saluer bel travail police nationale d'Haïti et force armée d'Haïti a fait dans dernier moment ça yo nous reçu que grandement pour capable permettre population haïtienne de retourner la caillou. N'a demandé police nationale là prend toute disposition nécessaire pour éviter dommages collatéraux entre nèg qui gen zamyo avec population civile là. Ça fait toujours dit population civile là li important pour nous libérer quartier populaire yo si
4 ans pas touyer nous, on va passer 2 semaines qu'a touyer nous pour faciliter police nationale là mener bon genre opération pour lui déloger chef gang yo dans capitale. Depuis 2020, c'est plus passé 700 000 familles qui abandonné la caillou sous violence gang armée. Département de l'Ouest là qui c'est 4 827 km², 85 à 90% en département de l'Ouest là, li en bas mais gang yo. Ah bien, c'est ça qui fait nous mandé police nationale là pour agir avec gang yo dans dernière rigueur parce que c'est gang ça yo qui fait l'on paraît en côté dans le monde entier pour présenter passeport, yo pa prend pour rien, yo grapialiser nous, yo cocoratiser nous. Mais n'a mandé gouvernement gang avec yo qui traîner souveraineté pays dans la boue dans fatra avec ti monsieur Asapatio qui fait rejoindre zam à cartouche facilement pour tout la population. La justice doit prendre toute responsabilité pour agir dans dernière rigueur avec nèg sa yo tout. Et n'a mandé gouvernement pour réparer pénitentiaire nationale rapide au presto parce que bon gang avec qui casser qu'est-ce pays a faut gagner côté pour mettre yo. N'a parlé avec DG Nomil Ramou. Commune Croix des Bouquets, c'est 1930.17 km². C'est 5 communes, 10 sections communales. Plus passer 700 000 moun à vivre là-dedans. Alors, tap vivre là-dedans. Parce que gang sale 400 maouzoa, retire moun sa ou dans commune. N'a pas rappelé DG Police là. Croix des Bouquets, Tomazo, depuis 2022, yo pas de police là-dedans. D'ailleurs, tout moun te ouè chef gang sale qui va déjà faire un jour l'école là. L'amour joie t'écrasé commissariat dans yeux tout le monde qui était un commissariat qui t'écoutait nous plus passer $6 million américains. Ah bien justement n'a demandé police nationale là avec l'armée d'Haïti prend toute disposition pour permettre moun quoi des bouquets retourner la caillou moun gantier moun fond parisien que gang a menacé yo n'a demandé police nationale là pas quitter toute quoi des bouquets entièrement sous contrôle gang yo fond parisien a demandé secours, n'a demandé police nationale à temps pour souple. Donc on est c'est tout pays qui a des problèmes, c'est tout pays qui a besoin de sécurité, mais quoi des bouquets dans un niveau extraordinaire que le peuple n'est pas capable encore pour dégager ou mettre sécurité dans quoi des bouquets. Voilà Jean-Pierre Mackenlov lui-même qui lance la SOS pour gagner disposition qui prend pour permettre gagner des opérations qui mènent pour démanteler gagne surtout dans Croix des Bouquets qui qu'on est moment difficile mouvement populaire ou la jeunesse diocèse constaté dans quel niveau certains citoyens déchappent qu'est-ce l'état à travers rapport USCCA pendant citoyens yo continuent à souffrir dans pays mouvement ça mais des gouvernements prend disposition pour traîner toute ancienne autorité sa yo devant la justice et puis forcer ou remettre l'argent yo vole dans caisse l'état Jean-Pierre Mackenlov. Unité lutte contre la corruption ULCC hier yo mette dehors environ 7 rapports que nous capable li en dans mouvement populaire ou la jeunesse. Nous constater là-dedans yo gen des hauts fonctionnaires qui toujours en fonction gen qui pas en fonction encore. Ah bien ça n'a pas gardé. Nous constatons spécialité garçon et famille dans l'État, c'est vraiment collaborer pour déchepiller qu'est-ce l'État, en détriment la majorité. Alors, Jean Fatria dans Port-au-Prince a monté 17 routes. Jean, 6 millions de monde dans l'insécurité alimentaire, ils n'ont pas qu'à manger même un plat chaud par jour. Et puis, vous avez toute l'agence qui a monté, descendre dans un système économique. N'a demandé PM Garikoni en attendant ce qui là et conseil présidentiel là moins 3 braquets qui t'a réalisé les armes sous président BNC pour prendre 100 millions goudjo. N'a demandé de prendre toutes dispositions nécessaires à travers paquet de Port-au-Prince pour traîner Aviol Fleuren devant la justice pressé pour traîner Léon Charles qui t'a participé dans tout le président Jovenel Moïse comme ancien DG police pour traîner ancien DG SNGRS là devant la justice pour une cité ça seulement pour mettre un côté pour machine pas frapper yo et pour yo remettre l'argent que yo volé yo. Par exemple de l'argent yo volé qu'il a toujours n'a demandé pour yo rembourser trésor public l'argent ça parce que l'a pas utile Port-au-Prince dans ramasser fatra l'a pas utile mairie dans des bons programmes sociaux pour permettre jeunes yo émerger. Ah bien n'a demandé PM Garikoni, comme on dit gouvernement pas ou ap dirige a li pa nan corruption, n'a demandé autant pour souple
pour réparer pénitencier national pour nous capables de jouer de côté pour nous mettre gang à vestio. Et pas seulement gang à cravate que nous besoin arrêter, nous besoin éliminer, mais faut éliminer gang qui dans secteur privé là, gang qui dans secteur politique là qui accaparé l'état. Donc nous croyons que je dis un directeur général ULCCA Hans Ledwig Joseph besoin sécurité les renforcer. Parce que gang à cravate ça yo depuis nous cité dans rapport yo toujours à prendre devant pour nous c'est pas yo c'est comme si c'est peuple qui volait tout le monde yo cité dans rapport yo dit c'est pas yo et bien nous attendons bon matin yo assassiné DG ULCCA n'a pas des gouvernement prend toute disposition nécessaire pour sécuriser DG ULCCA nous est depuis 3 ans qu'a fait un bel travail mais paquet Port-au-Prince par exemple fait suite à rapport. Nous songeons été épinglé ancien député et Kiskoff là dans question scandale l'agent ONA. Eh bien par exemple il y a rien qui fait dans dossier, tout rapport ULCC fait c'est des rapports qui a classé sans suite qui pas de suivi fait sur. N'a pas des gouvernement ça prend toute disposition nécessaire pour traîner corrompu devant la justice pour mettre on côté pour machine pas frapper et pour remettre l'état l'argent qui vous volait.